ces jours-là, des anges aux archanges, de Gabriel à Michael, de la façon la plus humble, le plus grand ennemi, celui devant qui même les vieillards viennent se prosterner. La bonne nouvelle est propagée, le doux vent est distillé. La seule fois où l'on a vu une étoile brillante le matin, c'est bien pour ça qu'il est trois fois saint. Sur la venue, mon nous unis, nous bénis, enfin quelqu'un pour soulager nos cris. Monsieur Soumangourou est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, maman. Vous nous parlez de l'île Chawada. C'est quel genre d'établissement? C'est une discothèque située à la Riviera Palmeret, à côté du 35e arrondissement. Mm-hmm. Jour pour jour, ça fait déjà 2-3 mois que cette maison a vu le jour. Et le dépositeur n'est qu'autre une belle figure emblématique de notre musique ici en Côte d'Ivoire, qui a réalisé cette maison juste pour donner un coup de main à ses jeunes frères et puis ceux qui aiment le gotha du showbiz ou le monde de la nuit, à l'image de Pacom Chokoto qui est juste en face de moi et Jean-Claude Van Damme. C'est des artistes, mais on essaie quand même de se donner une autre activité hormis la musique. Et donc, c'est salutaire de la part de Kijivara. Également pour annoncer que ce grand monsieur était en tournée européenne, internationale, pendant 2-3 mois. Il sera de retour ce mercredi plus tôt, à partir de 20h, sur ce plateau, pour appeler un appel à l'endroit de tous les amateurs de musique et surtout ceux qui aiment le style musical de Kijivara et ceux qui viennent nous visiter dans sa belle discothèque, qui n'est qu'autre, l'île Chawada. Il va falloir se mobiliser comme une seule personne, ce soir même, à partir de 19h. Vous pouvez être bien habillé déjà. Et nous allons nous déporter du côté de la rue Pont International Félix Houphouët-Boigny pour aller applaudir pour tout le travail qu'il a fait du côté de l'international. C'est qui donne en tout cas satisfaction à la musique Made in Côte d'Ivoire. Donc on va aller l'accueillir et au sorti de là, il va prendre quelques heures de pause et le soir, il va nous retrouver au sein de sa boîte, la discothèque L'île Chawada, au cours de la soirée, la nuit des stars. Qui parle de stars parle également des figures qui ont marqué le gotha du showbiz. Il va falloir se déplacer pour venir écouter Kijivara, il fera un bilan de sa tournée, il donnera également des prestations. C'est une soirée qui se présente tous les mercredis, mais pour ce mercredi, c'est spécial parce que déjà, c'est la Noël. Mm-hmm. Et donc, vous aurez en exclusivité le grand retour de Kijivara. Il aura également l'occasion de vous interpréter quelques notes qu'il est en train de réaliser concernant son nouvel album qui verra le jour dans quelques poignées de semaines, peut-être jusqu'en 2014. Ce qui est déjà salutaire également. Nous D'accord. profitons Alors, également. Vous nous parlez de tout sauf des personnes qui vous accompagnent. Pacom Chokoto, danseur également auprès de Kijivara, artiste, il réalise des chansons aussi. Jean-Claude Van Damme, artiste aussi et personnel de l'île Chawada. Et donc, ces messieurs. Ils sont là à quel titre? Ils sont là juste pour confirmer que la soirée, pilotée des mains de Pacom Chokoto et Dempsey Manaja, le penseur, aura bel et bien lieu tous les jeudis. Et c'est conçu et proposé par ces deux messieurs. Et Jean-Claude Van Damme fait partie des artistes invités concernant ces deux jours de folie, à savoir ce soir et le jeudi également à la soirée, Yaya Kassé-Tête. D'accord, très bien. Très bien, donc l'appel. Et donc, je lance un appel. En quelques lignes, ce mercredi, l'arrivée de Kijivara sur le coup de 20h, mais il va falloir être à la rue Pont International. Félix Houphouët-Boigny, à partir de 19h, nous allons applaudir Kijivara parce que c'est important. Quand un artiste est sollicité du côté de l'international, il va falloir quand même lui donner sa reconnaissance parce qu'il vend l'image de la Côte d'Ivoire et même la culture made in Côte d'Ivoire. Et donc, il va falloir se déplacer. Et il était où? Il était en Europe, il a fait la France, il a fait également la Suisse. Et donc, c'était plusieurs tournées. En tout cas, félicitations à l'artiste. Et au sorti de là, il s'est retrouvé dans le pays de l'oncle Sam. Et donc, bientôt de retour chez lui au Bercail. Et nous allons l'accueillir comme il se D'accord. voit en fanfare. Très bien. Vous nous rappelez la localisation d'abord. Oui. Et l'île Chawada est située à la Riviera Palmeret, à côté du 35e arrondissement. Mm-hmm. Vous venez, vous verrez cette discothèque qui aujourd'hui se démarque des autres discothèques. Je vais rappeler que juste après l'arrivée de Kijivara, ce soir, 20h, la soirée, la nuit des stars,
où il fera un bilan de sa tournée et au sorti de là, il donnera des prestations à l'endroit de sa clientèle et puis tous ceux qui sont venus l'accueillir à l'aéroport. Et le jeudi, vous avez la soirée pilotée des mains de Pacom Chokoto et Dempsey Manadia plutôt. Et cette soirée est baptisée Yaya Kassé-Tête. Et c'est une soirée qui rend honneur et gloire aux hommes qui ont marqué le milieu du showbiz. Et donc, il va falloir se déplacer ce soir à partir de 21h. Numéro de téléphone, vous nous appelez au 02 66 66 70 02 24 08 12 01 01 41 85. Bonne fête de Noël à toute la direction de la RTI et puis également à vos mamans. Merci bien. Nous allons donner vie ce soir. Nous avons une autre page musicale et nos invités sont toujours là pour vous. C'est un événement qui aura lieu sur plusieurs jours au complexe d'Abobo. Pour nous en parler, Bamba Amisara, bonjour à vous. Bonjour Tata, on va dire joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà, je suis sur ce plateau pour vous parler du Festica. Voilà, on va dire Festival culturel et des arts d'Abobo. Nous sommes à la 3e édition et je voudrais vous dire que ce festival est sur le haut parrainage du président de l'Assemblée nationale, M. Soroki Bafoué Guillaume, et sous la présidence de M. Adama Tunkara, député maire d'Abobo et ministre du pétrole et de l'énergie. Voilà, au programme de ce festival, on aura des expositions-ventes, des défilés de mode, concours de danse, et c'est du 29 au 31 décembre. On aura vraiment une centaine d'artistes. Et parmi ces artistes-là, je vais citer quelques noms qui vont vraiment participer à ce festival. On aura Petit Denis, Afou Keïta, Kedjevara, Bamba Amisara que je suis, Baby Philippe, Daouda le Sentimental, Kadjim. Là, on a des extraits de... Ça, c'était laquelle voilà, édition derrière. Voilà, c'est celle, la deuxième édition. A permis au public de découvrir la richesse. D'accord, allez-y.
Voilà, donc je continue. Parmi les artistes, on a Kadjim, Lago Polin. On a, je pensais que vous alliez nous décrire un peu. Donc, ça s'est passé où cette année-là? À Bobo, voilà. Ça s'est passé au complexe sportif d'Abobo. Vous d'abord, s'il vous plaît. Moi, c'est Bengla Winato. Mm-hmm. Il est aussi un artiste. Mm-hmm. Voilà, donc ça s'est passé au complexe sportif d'Abobo. D'accord. Et cette année, ça va se passer là-bas. Vous avez pu drainer combien de personnes à peu près? Et il y a du monde. On va dire près de 5000 personnes. 5000 voilà, personnes. En tout cas, on a fait, on ne va pas dire salle comble, mm-hmm. mais en tout cas, il y avait du monde. Il y avait beaucoup Il y avait beaucoup de monde. D'accord. Voilà, donc je suis sur ce plateau vraiment pour inviter toute la population d'Abobo. Ce festival est fait pour vous. Mm-hmm. Moi, je suis née à Abobo, donc raison pour laquelle j'ai décidé d'associer mon image à ce que Kunta Madère fait. Mm-hmm. Voilà. Non, mais je voulais ajouter que je n'oublie pas, il y aura les procès du Zouglou, il y aura aussi Général Tchafari. On va citer la liste okay. des personnes qui interviennent. Ils ne sont pas sur la liste, vous allez peut-être pouvoir compléter. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce festival s'adresse spécifiquement aux personnes d'Abobo ou c'est beaucoup plus élargi? Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais à la base, c'est pour Abobo, mais c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Voilà, c'est ouvert à tout le monde et à la base, c'est pour la population d'Abobo. Tu es de d'Adjamé, Yopougon, tu peux venir voir le festival, mais c'est pour les Abobo. Quel est le principe? C'est trois jours. C'est trois jours de prestations d'artistes. On a des concours culinaires, on a des concours de danse, d'accord. concours de Miss, et puis on a des prestations d'artistes et l'entrée n'est pas payante, c'est vraiment gratuit. Et ça se passe où? Au complexe sportif d'Abobo. D'accord. Voilà, maintenant, pour ce festival spécifiquement, qui sont les têtes d'affiche? Les têtes d'affiche, on a Petit Denis, Afou Keïta, Kidjivara, Bomba Amisara, Baby Philippe, Daouda le Sentimental, on a Kadjim, Lago Polin, on a Roy Antakiti, voilà, et on aura en live le groupe Reggae Light. Et on a une centaine d'artistes encore qui viennent typiquement d'Abobo. Ce que je voulais ajouter, c'est que la sécurité est garantie par le commandant. On parlait d'artistes tout à l'heure. Oui, d'artistes, donc voilà, ok, excusez-moi. Mm-hmm. Donc il y aura Général Tchefari, il y aura les professeurs du Zouglou, il y aura Dilandri, il y aura Coco Hillet, il y aura Tchabio Star. Vraiment, ils sont énormes, ils sont beaucoup. D'accord. Maintenant, c'est le commandant Diagao qui assure la sécurité, donc n'ayez pas peur. Mm-hmm. Même si tu t'es volé toi-même, on va t'attraper toi-même. Mm-hmm. Si tu as perdu une aiguille, on va retrouver ça. Donc venez massivement, le show sera chaud. D'accord. Voilà. On rappelle la période de Bamba Bissara? Voilà, c'est du 29, 30 et 31. Mm-hmm. Voilà, et l'entrée, c'est vraiment gratuit. Je vais laisser les contacts. Bien sûr. Voilà, on a le 47 05 52 67. Je peux reprendre? Bien sûr. D'accord. 47 05 52 67. D'accord. Joyeux Noël à toute la Côte d'Ivoire, c'est du 29 au 31. Le complexe sportif d'Abobo. Merci, joyeux Noël également. Merci. C'est gratuit. Merci. Nous avons le concert de Constance pour nous en parler. Qui mieux que l'artiste pour le faire, accompagné de M. Nda Yves. Bonjour à vous. Bonjour Mariem. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Recevez la paix de Dieu donc. Oui, effectivement, nous avons un concert le 28 décembre prochain. Oui. Et ce sera en après-midi à l'esplanade de Sokossé. C'est un concert que nous voulons gratuit. Et nous sommes là pour inviter toute la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, Monsieur Nda Yves, parlez-nous de Constance. Je vais vous parler de Constance. Oui. Enfin, j'avais dit que c'est un cadeau de l'Éternel. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce que nous avons d'avoir Constance avec nous. Et la Bible dit que l'Éternel couronne l'année de ses biens. Et ses pas versent l'abondance. Et donc, nous voulons inviter le peuple de Dieu, avec Constance, à voir l'Éternel couronner cette année de biens. Et donc, nous voulons inviter le peuple de Dieu à ce temps d'adoration exceptionnel. Et venez donc offrir nos cœurs, offrir nos vies, laisser Dieu couronner cette année 2013. Et pourquoi pas lui confier l'année 2014. Alors, donc, nous invitons tout le peuple de Dieu, toute la Côte d'Ivoire, à ce temps d'adoration exceptionnel qui a lieu à l'espace Okossé. Alors, quand vous dites temps d'adoration exceptionnel, si moi je viens en tant que musulmane, quelque chose peut se passer pour moi? Oh oui. Et c'est merci pour l'opportunité de dire que nous voulons que vous veniez expérimenter l'amour de Dieu, qui que vous soyez. Nous voulons que vous veniez expérimenter l'amour de Dieu à travers celui que nous adorons, Jésus-Christ. Il est bon pour l'homme d'expérimenter que Dieu est vivant, parce que quand c'est abstrait et quand c'est théorique, finalement, ça n'impacte pas la vie. Mais quand on vient et qu'on est là et que sa présence fait toute la chose, nous voulons ce jour-là laisser Dieu agir, convaincre les cœurs,
toucher une vie. Quelqu'un sait en secret qu'il a un problème là et puis il repart, le problème est parti. Il peut témoigner. Je ne veux pas que ce soit du fatatras, du spectaculaire ou tout ce qui est d'humain, mais je voudrais que Jésus puisse s'exprimer et qu'il puisse nous démontrer qu'il est présent, qu'il est vivant. Alors je voudrais donc que toute la Côte d'Ivoire vienne. Nous avons voulu gratuit et je pense qu'il y a un peu plus de... On pourra prendre un peu plus de 3000 personnes, même jusqu'à 5000 personnes. Je suis un donc, peu curieuse. Vous avez la capacité de guérir des personnes ou bien il y a des trans qui se passent quand vous chantez? En fait, non. Je n'ai pas la capacité de guérir les gens, ce n'est pas possible. Mais Jésus peut le faire. Or, il se trouve que quand on donne sa vie au Seigneur Jésus par la foi, on reçoit Jésus en soi. On devient le temple du Saint-Esprit. Et Jésus vient maintenant s'exprimer à travers nous. Et c'est un petit problème pour lui. Tout ce qu'il y a de maladie de l'homme, il peut guérir. Mais quand nous proclamons, quand nous chantons au nom de Jésus, en fait, nous chantons la parole de Dieu, elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir fait son effet. Elle guérit des vies. Elle libère des vies. Maintenant, il y en a qui sont un peu secoués par de mauvais esprits, comme il y en a qui peuvent même rester calmement et recevoir la visitation de Dieu et être délivré. Mais vous avez des témoignages après vos spectacles? Oh oui, plusieurs témoignages. Je pourrais dire des gens qui, voilà, des maladies simples, un mal de tête, ou encore un problème d'oreille, ou encore un problème d'enfantement, ou encore un problème d'oppression, et qui sont guéris, sont délivrés. Il y a tellement de témoignages, même pas qu'on est présent. C'est ce qui prouve que ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Moi, j'ai eu des témoignages, par exemple, des dames qui devraient accoucher, qui étaient sur le lit, mais qui ont commencé à proclamer Jésus en chantant un cantique. Je puis tout par celui qui me fortifie, mais en pensant fortement, Jésus vient me sauver. Parce que c'est vraiment ça. Et puis Dieu les visite, et puis ils viennent en témoignage. Tu n'étais pas là, c'est vrai, mais Dieu a fait son travail à partir de sa parole. Et nous voulons que ce 28 décembre, là, chacun puisse dire, bon, il parle de Jésus depuis là, aujourd'hui, on a vu ce Jésus. Ah, vraiment, venez, parce que Jésus ne va pas gâter son nom, comme on dit. D'accord. Et donc, le 28, c'est samedi. C'est samedi, oui. Samedi. Ce samedi. Ce samedi, justement, ce samedi. Dans deux jours. C'est déjà arrivé, oui, c'est déjà arrivé. Et ce sera où? À l'esplanade de Sokossé. Oui, carrément l'espace vert. Oui, l'espace vert, l'espace vert de ce côté. Et nous voulons dire que l'entrée est gratuite, mais bien sûr sur la présentation des tickets. Et donc, ces tickets sont gratuits, seulement qu'il faut pouvoir les retirer. Passer, voilà, les retirer. Et nous avons l'espace au Coussé, où ils peuvent retirer les tickets. Nous avons Media Store de Cap Sud, Cap Nord et toutes les librairies chrétiennes. Ils peuvent aussi nous appeler au 22 44 0261 ou au 08 97 32 75. Alors nous voulons déjà signaler qu'il n'y a pas, nous avons confectionné 5000 tickets, mais il n'y en a plus assez. D'accord. Alors donc, nous invitons tous ceux qui nous écoutent maintenant à nous appeler ou à passer dans tous ces points de vente et à retirer donc les tickets. D'accord, très bien. On rappelle les lieux des tickets où on peut les retirer? Alors, vous pouvez avoir les tickets à l'espace Okoussé, à Media Store, Cap Sud, Cap Nord et dans toutes les librairies chrétiennes. Ou nous appeler au 22 44 02 61 ou au 08 97 32 75. Très bien. Pardon, je ne sais pas, je peux juste ajouter qu'il y a très peu de tickets et pour souci d'organisation, qu'ils aillent rapidement parce que s'ils prennent ces différents tickets, l'équipe pourra véritablement se concentrer en prière parce qu'on veut que la présence de Dieu soit très forte ce jour-là. Très bien. Voilà, donc leur et moi aussi, je voudrais demander quelque chose. Quand je pense à vous, je vous associe. Je ne connais pas le titre du morceau, mais je lève les yeux. Oui. Et j'ai l'impression que dans la carrière, bien sûr, il y a quelque chose de culminant. Et j'ai l'impression que c'est celui-là, ou bien vous n'avez pas cette impression. J'arrive pas à vous dissocier, pourtant vous avez fait autre chose. Je pense que c'est peut-être le message qui découle de « Je lève les yeux ». Parce qu'en réalité, il peut bien se coller à moi, parce que j'incite tout le monde à se focaliser sur celui que je crois de tout mon cœur être la solution pour l'humanité, qui est le Dieu sauveur, qui est Jésus-Christ. Je dois lever les yeux vers les montagnes, vers le Seigneur Jésus, et ça ne peut pas se décoller, donc, parce que c'est vraiment toute ma vie que j'ai chanté ce jour-là et dans ce cantique, c'est vrai. Donc, vous allez nous donner un extrait tout de suite. Ah oui. Très bien, on vous écoute. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est
mon Dieu. Merci beaucoup, merci. En tout cas, Marianne. Félicitations. Merci. Et puis on vous souhaite à très bientôt, 28 décembre, 15h. Merci. Guy Pacom Somia, vous êtes une personne reconnue dans le monde de la nuit et maintenant dans la journée également. Mais ce qui est touchant, c'est que vous avez chanté en même temps. Ouais, maximum de jeudi de d'onction et de bénédiction sur ce plateau avec l'artiste en instant. Mais hier, nous sommes allés à l'église. C'est voilà, parfait. Juste avant de vacances d'autres occupations. Joyeux Noël à vous, Joyeux Noël également. Et à lui. Merci à vous. Quelles sont les bonnes nouvelles en ce qui concerne le Temple Live? Il faut dire que la fièvre de décembre a déjà démarré, la fièvre de décembre du côté du Temple Live Discothèque. Hier, c'était phénoménal, c'était très bon. Noël magique, c'était du côté du Temple Live Discothèque. Ce soir, mercredi, comme tous les mercredis déjà, Rumba Prestige Live. La Rumba Prestige Live pour ce soir est dénommée Rumba Prestige de Noël. Entre 22h et minuit, on aura l'orchestre en live, l'orchestre de Rumba. Et puis, à minuit, on passe en mode clubbing avec nos meilleurs DJ. J'ai nommé Moulukuku DJ, qui n'est plus à présenter, DJ Laure, DJ Angelo DJ de la Dream Team. En tout cas, mettront le feu positivement, hein, voilà, afin de vous permettre de passer d'intenses et d'agréables moments en notre compagnie. Et le jeudi, c'est-à-dire demain, Mariam, grande soirée, paillettes et glamour. Paillettes et glamour avec abidjanshow.com, partenaire et organisateur de cette belle soirée, paillettes et glamour. Le vendredi 27, la folie du temple. Pas de commentaire là-dessus. Venez découvrir cette folie-là. En tout cas, c'est une bonne folie, vraiment, pour ces congés. Le lundi, nous célébrons toutes les dames, la nuit des Amazones, parce que mine de rien, je remarque souvent, même quand je suis là ou quand je ne suis pas là, sur ce plateau, vous battez beaucoup pour la cause féminine. Donc, la direction du Temple Live Discothèque a décidé de célébrer ou de récélébrer ces dames-là battantes pour l'éclosion, pour l'évolution, pour le changement de mentalité, de la gente féminine, ici, du côté de la Côte d'Ivoire. Chez nous, au temple, les femmes ne sont pas des décorations. Voilà, on n'utilise pas les femmes pour décoration. Voilà. On les honore, on remet des tableaux à ces dernières-là pour le boulot qu'elles effectuent. Voilà. Et le clou de toutes ces manifestations, c'est le 28 décembre. On a coutume de voir Mewé en concert live chaque fin d'année. Cette fois-ci, il a décidé d'écumer la mythique scène du Temple Live Discothèque, ticket 15 000 francs. 15 000 francs dans un cadre agréable, vraiment VIP. Venez découvrir Mewé à travers le festival Roulé Moutou. C'est ce 28 décembre à 21h. Aquaba 2014, pour bien dire bonne année à tous et à toutes, les maîtres du Zouglou, Yodé et Siro, seront là le 1er janvier à 17h. Il faut dire que pour le spectacle du 1er janvier, la direction du Temple Live Discothèque offre ce spectacle à toute la population abidjanaise, puisque l'entrée elle est gratuite. Mais où le 28 décembre, 15 000 francs. Yodé et Siro, le 1er janvier, entrée libre. Oui. Carafoli, c'est tous les dimanches avec l'artiste José. Et pour le dimanche prochain, on aura l'apport, le soutien de Noël Douré, le grand Noël Douré. Oui. Voilà, donc venez vivre l'expérience en chanson. Tout cela, c'est au Temple Live Discothèque. Et puis, on offre un cadeau. Dès que vous nous prévenez 48 heures avant et que c'est votre anniversaire, le Temple Live Discothèque vous offre un gâteau. Un gâteau, voilà. Donc, venez apprécier ce cadre féerique-là. Bonne animation en DJ, célébration, sécurité, tout cela, en tout cas, au Temple Live Discothèque, à travers la fièvre de décembre. Tata Marion, vous êtes gentil, hein, franchement. Vous êtes surpris, mais c'est Noël. Ah, Noël, okay. C'est Noël. La fièvre de décembre au Temple Live Discothèque. Dès ce soir, la Rumba Live Prestige de Noël. Et nous allons, je veux dire, égrener le chapelet de tout le contenu du programme pour cette belle fièvre de décembre. 28 décembre, Mewé en concert live, c'est une réalité. D'accord. Il est déjà là. J'ai eu son manager avant-hier. Le 1er janvier, Yodé Siro en live également au Temple Live Discothèque. Il y a deux merveilles dans ce monde. La Côte d'Ivoire et le Temple Live Discothèque. Donc, si vous me permettez, pour d'imples infos et réservations, vous tapez le 40 98 28 82. 40 98 28 82 et le 01 53 99. Très bien. Merci beaucoup, Tata Maria, mais encore une fois, joyeux Noël. Et pour la petite histoire, c'est vrai que tout à l'heure vous disiez quelque chose de vrai. Quand vous dites que je défends la cause de la femme, mais spécifiquement sur mon plateau sont venues des personnes pour, je vous prends un témoin,
pour dire que dans l'établissement, à la discothèque, ça va être orné de femmes. Heureusement que chez nous, c'est pas pareil. J'ai été choquée, vexée, frustrée. C'est restricteur pour la femme. C'est vrai, et puis la prendre comme ornement dans une boîte de nuit par centaines de femmes. Et j'ai refusé en disant que je n'accepte pas qu'on vienne sur ce plateau pour prendre, décrier la femme comme un objet absolument qui pourrait servir à orner. Et j'avoue qu'on fait tout hein, pour rester souriant et agréable, mais il y a des choses qui poussent hors de soi. Et ça en faisait partie. En donc, tout cas, franchement, je vous félicite. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de célébrer les femmes à travers la nuit des Amazones. Donc, rendez-vous au temple. J'espère pour une première fois, oui. Qui va comme ça, merci à vous. Merci bien. Alors, Bamba himself. Bonjour, Mariam. Joyeux Noël. Joyeux Noël également à toi. Alors, tu sais que dans quelques heures seulement, dans 72 heures, ce sera bonjour 2014 au palais des sports. Tu sais ça déjà. Au palais des sports, oui. Alors, il se prépare activement, tous ses acteurs, pour donner encore le meilleur, n'est-ce pas, cette année encore. Il se prépare. Il y a un même qui est présentement à Paris, Ramatoulaye. Tu le connais bien. Oui. Tu le connais bien. Avec il danse bien aussi. Ah oui. Alors, il m'appelle. Il allait seulement, ça fait deux semaines. Il m'appelle, il confirme qu'il est là, mais comment? Alors, je serai là tout à l'heure pour faire le. Il va essayer, il va tuer, comme on le dit, c'est Abidjan. Il a dit, ben, ça c'est deux semaines. Alors, s'il fait deux mois, ça va être compliqué. Il faut le ramener avec bonjour et on va le garder ici. Alors, il aura Ramatoulaye Didier, il aura le grand. Magnifique, qui est toujours magnifique. Oui, mais on veut même un extrait. Ah oui, d'accord. On va suivre et puis on en parle juste après. D'accord. Ils ont changé. Ils ont décidé d'inscrire les enfants dans l'école des enfants de boss. C'est-à-dire où il y a élèves, enfants d'ambassadeurs, enfants de ministres, enfants de directeurs. C'est là-bas qu'ils ont cotisé et puis ils ont inscrit les enfants. Mais enfin, là même, quand tu entends son nom, déjà tu es découragé. Un petit comme ça, il s'appelle Madou Bessé. Son camarade il s'appelle Dougoutigui. Les premiers jours de classe, problème a commencé. Boîte de craie, ça disparaît. Téléphone du maître est perdu. Goûter de leurs camarades, même ils vont tuer. Donc le maître les guettait depuis. Un jour il est venu, il dit, hey, vous deux là. Ils ne sont jamais devant. Les nous, ils sont toujours derrière. Et ils font corridor. Le maître dit, Madou Bessé, tu vas me conjuguer le verbe savoir au présent. Il dit, monsieur, savoir, hein? Si c'est au présent chez nous à Djamé, on va tuer ça. Il dit, tiens-toi debout correctement là, mets-toi sagement. Il dit, conjugue-moi le verbe savoir au présent. Il dit, ah mon vieux, savoir, hein? Ça là, c'est Jésus, Andra, tu es au courant, ils ont le son. Nous tous ici, on est déjà affairés, vous êtes en Zoro, il ou elle s'est tombé dans l'air Yukuri. Alors, c'était l'extrait. Je pense que Magnifique n'est plus à présenter. Il est toujours magnifique, toujours au-dessus de la moyenne. C'est super. C'est l'un des meilleurs humoristes, n'est-ce pas, il faut le dire. En Afrique, il est sollicité partout dans le monde. Il sera là ce jour-là, le 28 au Palais des Sports. Alors, on a Aga Lawal, l'homme multicolore, avec les multiples idées, et qui sera là également. On n'oublie pas, en cas des cas, celui qui disait comme ça... Si tu vas à Boaké, faut dire à mon maman que je ne suis plus gendarmerie, je suis devenu maintenant amiral. Alors, aujourd'hui, il est amiral, en cas de cas, sera avec nous. Montana, l'enfant qui monte, toujours. Ramatoulaye, dont je parlais tout à l'heure, il va venir encore avec beaucoup de bonheur, de joie, de plaisir. Elle, professeur, lui, vient pour enseigner des cours. Il va donner beaucoup de cours ce jour-là, mais surtout des cours pour entrer... C'est Ramatoulaye qu'on a là, à l'image. Ramatoulaye, d'accord. C'est lui qu'on a là. Oui, Ramatoulaye, tu le vois un peu. Ramatoulaye, toujours... Elle attache ses vêtements rapidement. Et où c'est le voisin? Le voisin dit, tellement il est bandit, il dit, si tu laisses ta serviette tomber, tout de suite, c'est un même cadeau. Elle dit, tu es sûr? Va me blaguer. Donc si elle laisse tomber, tu vas rien faire, mais tu vas me laisser. Tu vas me blaguer. Mais tellement elle aime l'argent, si elle laisse tomber,
Le gars lui a donné 50 000. Elle se retourne, c'est la veille à son mari. Arrivé là-bas, son mari demande c'était qui. Elle dit c'était le voisin. Il dit, il t'a remis mes 50 000. Hein? Il a regardé cadeau. Sans payer 5 francs. Femme. Changeux. Où sont nos mamans? C'est vrai, mais changeux. Alors, Ramatoulaye sera là encore une fois de plus pour donner encore de la joie, du bonheur. Alors, vous voyez ce monde, il aura encore plus de monde ce jour-là, ce 28. Mais vous avez également de nouveaux artistes, donc oui. Des révélations. Alors, ce jour-là. Des révélations. Vous savez, la RTI a toujours révélé pas mal d'artistes. Tous ceux que nous avons cités ont été révélés par la RTI. Mmh. Avant eux, il y en avait. Mmh. Et on ne fait que continuer dans notre lancée. Mmh. Cette année encore, il y aura des révélations. Il y aura des nouveaux qui vont donner encore beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à tous ceux qui vont faire le déplacement. C'est, j'allais dire, la nouvelle génération, celle-là qui va venir après la génération des magnifiques Ramatoulaye et autres. J'en passe. Mais en fait, ce que les gens, ce que le public doit pouvoir attendre, le public doit s'attendre à un événement assez particulier. Il y aura beaucoup plus de créativité. Oui. Alors cette fois, nous avons mis un point de mise sur l'excellence. Alors ce jour-là, on ne viendra pas juste pour une blague et puis on passe. Mm-hmm. On viendra pour donner ce qu'on a de meilleur à ce public. C'est 10 000 francs. C'est 10 000 francs, je dis bien 10 000 francs. C'est où les tickets? Et puis les tickets sont en vente à RTI Publicité, ici même à la maison de la télévision à Cocody, et bien entendu à la radio au plateau. C'est 10 000 francs. Il faut venir prendre les tickets pour éviter les longues files d'attente, parce que nous voulons aller pour un guichet fermé où tranquillement on vient, on s'assoit, on regarde son spectacle. Et c'est ce qui va se faire encore une fois ce 28, c'est samedi, au Palais des Sports de Trècheville. Très bien, merci beaucoup Bomba himself et encore Joyeux Noël. Joyeux Noël, il faut dire merci au gouverneur qui nous accompagne encore chaque année et sans oublier notre partenaire Carré d'Or. Très bien, merci bien. Noël, bien sûr, avec le décor de circonstances également et toute cette féerie, cette lumière, cette magie en tout cas. Ce sont des moments magiques pour les petits et les grands. Et bonne fête à tous et à toutes, bon repos. Parce que demain, sur les chapeaux de roue, tout le monde au travail en ce qui concerne les adultes. C'est le point final pour ce magazine. On vous remercie de l'avoir suivi. Si peut-être à dire, on vous donne rendez-vous demain, 11h30 sonnante et trébuchante. Sinon, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 11h30. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Joyeux Noël. Merci.